émission historique. Salut à tous. Disney Break, le show. Est-ce que ça va ou pas? Vous le savez, on va accueillir toutes les stars de cette année, tous les plus gros tubes et en invité d'honneur. J'en ai les genoux qui tremblent. On va avoir ici même les Jonas Brothers. Jonas Brothers. Je vous présente mes deux amis à côté qui vont être tout au long de l'émission avec moi. Tout d'abord, Romain qui est là. Romain que vous retrouvez dans le Disney Break tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, absolument. Ainsi que Martin Di Mortune, qui a un succès dingue avec les filles. Ah bah, me demande pas pourquoi. Attends, mais c'est quand même incroyable que vous retrouvez dans la série de Disney, Tranche de Vie. C'est ça. Voilà, bien évidemment. Et alors, Romain, toi, t'as une petite particularité, c'est que tu as un badge spécial. Monsieur, le sésame, pour vous emmener avec moi dans les coulisses, en compagnie de toutes les stars qui seront là sur ce plateau. Waouh, ok. Donc ça, c'est une vraie exclue, on pourra voir toutes les stars dans les loges. Merci Romain. Et alors, qui on aura ce soir, les gars? Qui va venir sur cette scène à part les Jonas Brothers? On aura Helmut Fritz. Il y aura Collectif Métissé. Jen Ali. L'Opéra Rock Mozart. Sophia et Saïdi. Gilles Lucas. Sarah. Tom Fragé. Et alors, j'aimerais quand même avoir une petite conversation, excuse-moi, quand même. Attends, je vais me mettre juste là. Ok, si j'aime, faut me le dire. Petite conversation. Est-ce que c'est vrai, Martin, oui, que tu es pote avec les Jonas Brothers? Tu as, paraît-il, filmé des images exclusives. Là. Des images en juste là, mondiale. Là-dedans. Tu vois Wow, ça a l'air génial. Des images exclusives dans le cadre privé. Vous allez voir, c'est une exclusivité mondiale. Et donc on aura ça et on verra les Jonas dans les coulisses de leur concert, on verra les Jonas en promo, etc. Bon, attention, pour tous ceux qui ne savent pas qui sont les Jonas Brothers, tous ceux qui viendraient d'une autre planète, oui, avant de les accueillir ici même, sur cette scène, je vous propose, Romain, tu peux revenir avec nous, Romain. Il était là, Romain. Et je suis chanceux hein, quand même. Ouais, ce soir. Très bien. Bon, Romain, Martin et moi-même, nous sommes heureux de vous montrer qui sont les Jonas Brothers. Regardez. Bottom line, it's true. I gave my all for you. Now my heart.
SOS, don't wanna second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. Ils sont là en vrai, les Jonas Brothers. Vous pouvez crier aussi fort que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, juste un petit truc, Martin, est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux nous dire qui est qui? Attends, voilà, je ne sais pas. Nick Jonas. Kevin Jonas. Comment est-ce Joe Jonas. On vous a pas menti, c'est ça, Disney Break, le show. Alors, on est là pour fêter la fin d'année. We're here to celebrate the end of the year. Quel est votre meilleur souvenir de cette année 2009? What is your best memory of of the year 2009? Wow. I think our best memory is being able to play for all our fans this year. Le meilleur souvenir, c'est de jouer pour tous les fans ici. And I think for me, you know, we had an amazing tour this year and we were able to end the tour actually here in Paris. Voilà, and ils ont eu une tournée de dingue et ils ont terminé en fait ici à Paris. You don't have any memory, right? T'as pas de mémoire. I don't remember anything. Ils se souviennent de rien. on a quand même pas mal visité Paris pendant leur séjour. We've been visiting Paris every time you get here. Yes. And I was wondering, what is your favorite place in Paris? Qu'est-ce que vous préférez à Paris? Oh, wow. Champs-Élysées. Et c'est bien, c'est pas touristique en plus. C'est bien. Non, alors, vu que tu étais avec eux, Martin, tu leur as pris peut-être des mots, je ne sais pas. Hein. On va voir. What is your best French word? Tuable. Not a bad word. Hein. What is it? Tuable. 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 OK, alors Martin, on continue. À moins que vous voulez qu'on arrête là, est-ce que vous voulez une autre chanson? J'ai une idée. Peut-être que comme ils parlent français couramment, ils vont peut-être pouvoir présenter la prochaine chanson en français. Now you speak fluent French, right?